Liliane Marcaggi est passée de la comédie à la réalisation. Accompagnée d'Alexandra Lamy, elle est venue au CGR de Nîmes présenter Belle Fille, une comédie déjantée qui va créer la surprise de cette fin d'été. Pour un premier film, c'est réussi. Je crois juste que moi, ce film, comme je voulais en faire, je voulais qu'il soit très personnel, forcément les problématiques qui me concernent, c'est plus des problématiques de femmes, mais je suis sûre qu'on peut transposer, faire un remake avec un mec et ça marche. Enfin, l'histoire, elle c'est pas parce que c'est une femme, quoi. C'est pas un film girly, entre guillemets, c'est juste que le personnage est une femme, donc avec ses problématiques de femme, parce que c'est les nôtres en tant que femme, mais c'est pas le sujet, c'est pas le propos. Voilà. Quand Alexandra m'a soufflé le nom de Thomas Dutronc, je me suis dit, mais c'est évident, c'est lui, quoi. Sauf qu'il n'est pas acteur. Ça, c'était... Mais il était parfait. Il a accepté, en plus, alors qu'il avait refusé plein de films, et là, il a accepté tout de suite, parce que la Corse, parce qu'Alexandra, parce que c'est, le rôle n'est pas très long. Oui, et il y avait plein de choses pour s'amuser à l'intérieur. Ouais, voilà. Donc, et en fait, quand je l'ai appelé... Quand il a accepté le rôle, il m'a dit « Et qui fait la musique ?» Je dis « Bah, je ne sais pas encore. » Et là, il m'a dit « Bah, moi, ça m'amuse bien, en fait. » Et donc, voilà, je ne pouvais pas être plus heureuse que Thomas. Je ne l'ai même pas espéré, en fait. C'est-à-dire que ça s'est fait hyper naturellement, et voilà. Ce personnage, il est proche d'Alexandra, il est proche de moi. Et après, c'est plus à la limite dans les dialogues et dans les choses comme ça où vraiment je l'entendais. Tu vois sur des ruptures, sur des choses d'émotion aussi où je sais qu'elle est. C'était plus à cette étape-là où vraiment j'espérais qu'elle le fasse et je pensais à elle. Mais au début, il y a plus eu quelque chose d'une femme de cette génération et je pense qu'il correspond à vraiment une problématique. Enfin voilà, excuse-moi, j'ai beaucoup parlé aussi. Non, c'était vachement bien.